Et yo tout le monde, c'est Rasmond, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre let's play de Pokémon. J'espère que ça va, que vous allez bien. Voilà, c'est parti pour le let's play. J'espère que vous appréciez toujours ces let's play. Parce que ça fait. J'ai remarqué qu'il y a moins d'engouement qu'avant. Mais bon, il y a quand même quelques personnes qui regardent, donc j'espère que vous appréciez toujours. Voilà. Là, on va essayer d'aller à l'arène, si je me trompe pas dans le question, dans les questionnaires qu'il y a là, parce que je m'en souviens plus. Juste là, je me suis gouré, donc je savais pas. Hop. Je me suis gouré. J'ai mal lu la question, donc. Donc excusez-moi, là je parle pas beaucoup, mais Nidorina, oui. Comment ça, lui? Jamais compris cette question. Fargas fait bien des Pokéballs avec des Nogrim. Bon. Bizarre leur truc. Hein. Ah, des noix Grom. Ah, ok, ouais. Ah, ok. Ok. Bon, on va retenter pour la 51e fois. Hein. Donc, après ça. Hein. On va aller faire l'arène. Puis peut-être que la championne de l'arène, on va se la garder pour la prochaine vidéo. On va voir. Voilà, on a réussi. Voilà, là on a Blanche qui se réveille. Donc maintenant on va pouvoir aller à l'arène. Ah, je vous ai pas montré la team. Bon, c'est la même team que l'autre fois. Hein. J'ai augmenté peut-être un petit peu les niveaux. Là, niveau 20, niveau 20. Niveau 20 et niveau 20, puis on a l'œuf là qui devrait bientôt éclore. Donc voilà, on part à l'arène. Puis après, on ira prendre la bicyclette. Donc l'arène, on peut pas capturer des Pokémon dedans. Je vous le rappelle au cas où. Peut-être qu'on va pouvoir aller la faire, hein, parce que là j'ai skippé beaucoup de. J'ai passé beaucoup de dresseurs. Ouais, on va pouvoir la faire. Hein. On va pouvoir la faire dans cette arène. Dans cet épisode, pardon. Dans cette arène. Ouais. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Parce que j'aime beaucoup faire cette série, donc je sais pas si vous c'est toujours le cas, mais bon,
En soi, voilà, vous aurez cet épisode samedi normalement, si je dis pas de bêtises. Là, on est mardi. Normalement, vous avez eu une nouvelle vidéo, hein, il me semble sur Persona 5, il me semble. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que c'est quand même sympa. Enfin, ça vous permet peut-être de découvrir un JRPG qui est pas mal. Allez jeter un coup d'œil quand même. Donc là, samedi, vous avez l'épisode de Pokémon. À la place de. À la place du mardi. J'espère que ça vous dérange pas de l'avoir samedi. Ouais. Je vais changer un petit peu, peut-être que ça reviendra le mardi. Ben, vous de me dire en commentaire si vous préférez l'épisode le mardi ou le samedi. Non, ou qu'on décale un peu, qu'on intervalle un peu. Intervalle, ça veut extrêmement rien dire. Ça veut rien dire du tout. Si vous voulez qu'on change un peu de temps en temps, ça peut être sympa. Switch un peu de Pokémon, changer un peu de Pokémon. Pense quand même que Machoke est le mieux pour cette arène. Hein. Quand même l'arène de type normal. Je pense que le Machoke. Après, là, on va aller soigner les Pokémon. Hein. Puis après, je pense que le Machoke. Je vais pas le faire affaiblir. Hein, pour sa blanche. Je vais l'utiliser pour son écrémeux qu'il nous a fait. Je pense pour beaucoup fait faire des cauchemars. Voilà. Voilà, le petit Machoke qui va servir face au écrémeux. Voilà. Est-ce que vous aussi, maintenant qu'on parle de l'écrémeux de blanche, oula, pardon. Est-ce que vous aussi vous avez fait faire des cauchemars parmi tant d'autres personnes? Non, parce que pour une arène de type normal, il était quand même assez dur hein, de battre son écrémeux. Donc, on va aller soigner. Puis après, je pense qu'on va battre Blanche et puis qu'on va s'arrêter là. On a l'œuf qui éclot, ça c'est cool. Et voilà, on a le petit Togepi qui est sorti. Donc on va peut-être l'augmenter. Je sais même plus au niveau combien il est. Il évolue. Mais bon, on va le faire. Je vais l'entraîner hein, pour qu'il rejoigne un peu le niveau des autres. Et puis comme ça, on. Voilà, comme ça on peut le garder. Si j'arrive à le faire évoluer en Togekiss, ça peut vachement nous aider un Togekiss. Hein. C'est pas vous, mais voilà. Bon, allez, c'est tu pars. Comme dira un ami à moi. Allez, Blanche. Voilà.
Allez, on affronte là. C'est la troisième. Troisième championne. Bon, on a un petit peu de marge hein, niveau level. Sa capacité spéciale. J'espère qu'on va pouvoir. Oh non. Utilise une super potion. Ah, elle attaque quand même, ça c'est bien. On lui enlève que dalle. Faudrait peut-être que je switch, parce que sinon. Bon, j'ai plein de Pokémon vol, hein, mais. Bon. C'est pas le moment de m'empêcher d'attaquer. Allez, attaque. Mon petit Kaiminus. Voilà. Il va falloir switcher de Pokémon parce que sinon. On va rester là des heures et des heures. Ouais, malgré que ça soit super efficace. Voilà. On devrait. Voilà. On va lancer, même si je pourrais rester avec Nidoqueen, on va lancer quand même le match-up au cas où. On ne sait jamais. Donc je sais même plus au niveau combien il évolue en match-upper. Ce que je sais, c'est que c'est comme pour Onyx en Stylix, il faut le faire un échange pour le faire évoluer en Macronior. Donc un niveau différent, c'est super rapide. On a fait beaucoup de dégâts quand même. Je lui en ai fait vachement moins, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je lui en ai fait tellement moins. Ça, c'est pas cool. Peut-être dû rester sur Nidoqueen. Allez, mon petit match-up. On va quand même éviter de perdre match-up. On va mettre nos dépouilles. Thank you.
l'impression que Nido Queen a fait plus de dégâts que Machoke. Nido Queen, ouf. Voilà. Il a failli perdre Nido Queen. Hein. Ça nous a quand même vachement aidé. Et voilà. On a battu la reine. Bon les amis, hein, je pense qu'on va se retrouver ici dans le prochain épisode. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur Persona 5 qui est sortie mardi. Parce que comme je vous ai dit, là je tourne mardi. Donc normalement la vidéo est déjà sortie. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Ça peut être intéressant. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode de Pokémon ou sur une autre vidéo. Bye tout le monde, c'était Rastanantis. Ciao.